CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile sur le département de la Gironde, Sud-Ouest France. Wow, non, excuse me, no Roger. Alors là, j'ai rien compris. Il y a la pompade qui est là, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Dommage, j'avais qu'à mieux travailler à l'école. Allez, c'est parti pour le 315. CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département des Girondins. Du côté du Québec, même si la propague n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout de ce côté-là, on sait jamais, des fois il y a des surprises. CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction du groupe des Tannants pour 14 km 3301 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. C'est bien ça, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout de ce côté-là. Appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27 625. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Okay.
pas mal, hein, tu mangeras mieux, hein. Break. Oui, le break enregistré, il n'y a pas de problème. Oui, je sais pas, est-ce que tu as entendu quelqu'un de l'arrière, papa? Oui, j'ai entendu, après j'ai pas fait gaffe, alors j'avais pas le poste, mais ouais, j'ai cru entendre, oui. Eh ben, le break, bonjour. Bonjour, les bottes 73, ou plutôt bonsoir, Hachi. Les bottes 73 51 à vous tous, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 mobile, sur le secteur de Saint-Émilion, et là je suis en partance vers le pont. QSL simplement de la fin car j'ai beaucoup de QRM là de mon côté. J'ai compris Bruno. Ok Bruno, pas de problème. Et voilà, j'arrive très précisément à Saint-Christophe des Bardes. Voilà, si tu vois un petit peu où c'est à côté, qu'est-ce que je fais? Moi je m'arrête au panneau en plus, n'importe quoi. C'est à côté de Saint-Émilion. Ah bah tu m'étonnes, on dirait que t'es assis à côté de moi. Eh ben ça fait plaisir de retrouver d'autres kilomètres par la même occasion. Ouais tout à fait, mais bon aussi j'ai ce qu'il faut, hein, parce que le problème là avec plus ou moins la propagande qu'il y a, c'est un peu le bazar, donc ouais, pour commencer un peu, je mets ce qu'il faut, voilà, mais je fais un retour microphone là sur opérateur Bruno pour savoir s'il t'entend de son côté là. Bruno, si tu m'entends, retour micro. Alors pas du tout, moi aussi hein, j'ai ce qu'il faut là derrière. Hein. Non pas du tout, là j'ai rien qui est passé du tout. Pourtant j'ai le squatch qui est pas du tout mis, bien au contraire, c'est bien ouvert, mais j'ai rien du tout qui est passé là dans le push. Ok, ben déjà de mon côté, voilà, ça a chuté. Hein. Ça a chuté un peu en tout, donc ouais, c'est pas évident du tout. Mais ça va, j'arrive encore à te sortir, en espérant voilà, qu'il n'y ait personne d'autre qui vient se greffer au niveau étranger, parce que sinon ça va être le bazar, voilà. De mon côté, sinon c'est tout cuiro. Retour, Julien. Oui, 100% QSL. Lionel, je l'ai un petit peu décortiqué hein, dans le lointain. Hein. Hop, puis là, il y a un temps de shot là par ici. Je sens que la prochaine averse, elle n'est pas loin. Alors, j'arrive là sur les points les plus hauts là, de Saint-Émilion, c'est-à-dire je suis à côté là, de la clinique vétérinaire, là, sur, à côté de, en arrivant sur Saint-Émilion. Voilà exactement là où j'arrive. Hein. Ok, ben de mon côté, c'est encore du tout bon. Hein. C'est remonté, c'est tout clair de mon côté encore. Il n'y a pas de problème là. Hein. Ok, d'accord, 100% QSL. Ouais, je suis passé juste pour... Ah merde, j'étais en plein feu. Je suis passé là pour faire un petit coucou. Je vais voir si je peux profiter en même temps un petit peu de la propague. Là, naviguer un petit peu. Là, j'embauche à 19h. Hein, donc, j'ai pas grand-chose devant moi. Il faut que j'y sois à moins 10. Donc, je faisais juste un petit passage comme ça pour vous saluer tous. Bon QSO, profitez bien par la même occasion de la propague. Quand ça parle pas français, je sais que pour moi, là, c'est ardu, j'y comprends que dalle, hein, ça y est, c'est un peu voir. Donc, je vous laisse en QSO, tu es le seul qui m'entend en plus. Et, donc, les bonnes 73, 51 à vous tous, et bon contact, bon QSO depuis Saint-Émilion. Voilà, je suis en plein milieu, là. Ok,
qui est arrivé, ben, tu vois, dans les passages, hein, c'était difficile, il y a du monde qui est arrivé. Écoute, merci à toi. Au plaisir pour entendre au centre de ville avec de meilleures conditions quand même, parce que c'est un peu le bazar. Mais de la part de tout le monde, voilà, la bonne soirée, tout ce qu'il a avec, et puis au plaisir sans problème, et puis c'est le même. Ok, ben toi aussi t'as été complètement, en grande partie surmodulé. Là, y a, vu le signal, ça devait être de la BLU là, qui est passé derrière. Pas de problème, merci, à plus. Ok, merci, au revoir. Yo-yo. CQ DX, à un PL de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui est sur la fréquence monitor des kilomètres en mobile depuis le sud-ouest de France, Saint-Émilion. 73 Rémi de 14 km, 3301 Nicolas, QTH Libourne. Ok Nicolas, les 73 à toi, ah bah ça tombe pile poil. Là j'ai fait vite fait un petit QSO histoire de dire bonjour là sur le 31 FM. Les mecs, ils arrivent, ils ont du mal à trouver un canal propre, tellement qu'il y a la propague qui est là. D'ailleurs, là, j'aurais dû en voir, parce que là, c'est vrai que là, c'était compliqué, il y avait la surmodulation et tout. Et pour aussitôt basculer ici en USB, juste avant, je pense que j'ai dû me faire jeter par, je sais pas, italien ou je sais pas trop. Là, 18h25, 18h30, là, quand j'ai lancé un premier appel, là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé, là. Donc, c'est génial. Impeccable. Ah bah moi je viens de démarrer la radio là, c'est un petit peu à bout. J'étais en mobile avec la radio allumée là sur Villefranche-de-Longchamp il y a une petite heure. Et j'ai pas pu l'heure tourner. J'ai démarré le moteur, il était 17h40, donc le temps d'arriver sur le QRA là c'était limite par rapport au couvre-feu là, ça chie trois coups. J'ai fait un petit peu de radio sur les hauteurs de Villefranche-de-Longchamp, mais j'avais pas un chat, tu vois. Calme plein, ah, c'était peut-être un peu trop tôt, je sais pas. J'ai fait un petit QSO avec des opérateurs locaux, voilà, bon, les stations habituelles, quoi. Et puis c'est tout, voilà, là je débarque, un peu à l'improviste. J'ai entendu un peu là, sur 315 ou 310, je comprenais pas, c'est bizarre, c'est pas sur le 30 FM, c'est pas sur le 32 en USB, j'ai dit qu'il se passe. Donc j'ai raté l'épisode, du coup ils sont plus sur le 30 FM, c'est ça, ils ont basculé. Alors aujourd'hui, on peut dire que oui, il y a le 30 FM, il y a le 31 FM et le 32 tout mode. Pour dire à quel point ça fonctionne énormément. Et puis en plus de ça, voilà, je m'arrête au niveau de le château hôtel. Ça y est, j'ai oublié le nom. Juste que je m'approche un peu. Voilà, c'est le Grand Barail. Voilà, je suis plus très loin là, donc là, à chaque fois je m'arrête là ici. Bah. Ok, alors donc ouais, ils sont du coup sur trois canaux là pour faire des QSO. Quoi. Ah oui, Château du Grand Barail, je vois que j'avais travaillé là-bas à plusieurs reprises en tant qu'électricien. Un sacré beau château là, dis donc. Hein. Oh attention là. Ouais, le petit parking devant là, enfin, côté route, ça, ouais, je vois aussi. Ça m'arrive de m'y arrêter ouais, de temps en temps pour allumer la radio aussi là. Ok pour ça. Et ok pour l'explication là du 30-31 FM et du 32 tout mode. Non mais c'est bien, il y a des activités là, sur les 40 normaux. C'est le principal, voilà, c'est le principal j'ai envie de dire. Et surtout quand il n'y a pas de propague. Donc ça c'est bon signe. Et puis si j'ai allumé la radio en fin de matinée, début d'après-midi, là je sais plus. J'ai tenté là, voilà, dimanche, d'appeler là sur le 555 et ailleurs, hein, un petit peu partout. Bon, mais j'ai interpellé les locaux hein, directement, j'ai fait attention, appel aux locaux, chie trois coups, mais non, il n'y avait personne, hein. Donc alors vous n'avez pas envie. Je ne sais pas, voilà. Mais c'était bien calme de mon côté. Tiens, là, t'as.
T'as lancé un truc qui fait, qui a tendance à faire un petit peu, allez, je vais dire ça dans la blagounette, un petit peu un poil polémique. Les QSO locaux et qui rejoint en même temps, on va dire, le canal 19M et tout ça, un tout, où là, c'est assez marrant, là, en ce moment. On va passer tant de plus sur, sur le sujet. Profitons de la CBI, nous, on s'en fout. On fait des QSO locaux autant comme autant. On se régale, on se fait plaisir. Quand la propague est là, on fait du DX. Et puis voilà, là on a les deux. On a ce soir les QSO locaux plus le DX mélangé. Alors comme ça, ça va être une joyeuserie qui ne devrait pas être triste sur certaines fréquences. Je suis en train de surveiller l'heure. L'autre là sur le groupe Facebook. Tu as partagé une bidouille là sur une antenne de Delta Loop, sur un croquis que tu as fait ou que tu as mis en ligne. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Tu peux donner des détails, des explications sur la conception, sur la mise en place, un truc comme ça, ou tu préfères une autre fois? Vite fait pour expliquer un peu cette petite publication là, sur Facebook. Alors ça s'adresse aux antennes Delta Loop, hein, que ce soit la pointe sur le bas de l'antenne ou la pointe en haut, hein, ça a peu d'importance parce que le système il fonctionne dans les deux cas de toute façon. Mais c'est quand même plus pratique quand la pointe est sur le haut. Voilà, une Delta Loop avec donc le plat en bas. Et c'est un petit système d'écarteur finalement. Pour tendre la Delta Loop sans avoir besoin d'une grande barre sur la partie basse horizontale pour tendre les coins en fait, pour que l'antenne ne soit pas flottante. Et ça permet donc d'éviter d'avoir une barre comme ça en plein travers qui fait un peu de poids. Ça permet d'éviter d'avoir des ficelles pour tendre les angles de la Delta au sol. Donc en fait au sol là on a juste le mât et rien d'autre. Et avec ce système, il suffit de faire tourner le mât pour faire pivoter l'antenne selon les azimuts là qu'on va choisir. Et c'est pas mal du tout. Et alors c'est tout bête, hein. Donc là, moi je vais l'utiliser avec une antenne Delta Loop de chez Big Signal, une société espagnole qui s'adresse autant aux radioamateurs qu'aux cibistes amoureux de bon matériel, quoi. Et ils font du bon matos. Donc là, j'ai acheté la Big Signal DL Delta Lima 11. Voilà, c'est une Delta Loop, donc polarisation horizontale, c'est ça, avec la pointe en haut. Et le haut de la Delta Loop va être fixé sur le haut de la canne à pêche en fait. Voilà, ça va s'emboîter dedans. Donc on monte la canne à pêche, on la déploie complètement là. Et pour tendre les coins inférieur gauche et inférieur droit, du coup comme je disais, au lieu d'avoir de la ficelle, je vais utiliser des tubes, deux longueurs de tubes. Le tube électrique, le tube IRO ou tube IRL, en diamètre 16, je ne sais plus comment on l'appelle exactement, ça la fout mal pour un électricien. du petit tube électrique comme ça, qui va être percé donc sur la partie haute. Chaque tube aura un trou, plus un trou à peu près au milieu de la canne à pêche. Voilà. On fout tout ça ensemble, tous les trous face à face. On met une petite tige qui va servir d'axe, pardon, ça y est, je mâche les mots, qui va servir d'axe à tout ça. Je sais pas si je suis bien clair là. Et ensuite, on va remettre un petit bout de tube à chaque angle de la Delta Loop. Et entre les deux, il y aura cette pièce que j'ai montrée là sur le schéma à imprimer en 3D, qui est tout simplement finalement une tige filetée au diamètre suffisamment petit pour se glisser dans le tube électrique lui-même. Et avec deux bagues au milieu de cette tige filetée, on va pouvoir faire office de tendeur écarteur, tout simplement. D'accord, ok. Comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Ok, d'accord. Pour t'en dire plus, ouais, j'ai bien compris. Pour t'en dire plus, bon, comme tu le sais, le groupe Facebook est une extension du forum. Hein. Donc, je me suis permis, en citant ton message, de le placer également sur le forum, dans la rubrique Bidouille Antenne. Voilà, très précisément, là, dans cette rubrique-là.
Et un membre, justement, là, a répondu dessus, et lui parle de tuyaux PVC. Toi, ce que tu as pris, c'est de la gaine rigide d'électricien, quoi. Je vois très bien ce que tu as mis. Mais avec de tuyaux PVC comme ça, en été, il y a forcément un risque d'accumulation d'électricité statique dessus. Et là, moi, à mon avis, il y a forcément un risque de décharge d'électricité statique après qui se barre dans le poste. Et je ne sais pas si avec la gaine électrique dont tu parles, c'est la même chose. Je ne sais plus, je me souviens plus, j'ai oublié là. Mais tu as eu raison là, pour le partage sur le forum. C'est vrai que j'y pense pas assez là, à partager sur le forum. Je lâche toujours rapido comme ça sur Facebook les choses. Tu as eu raison pour ça. Hein. Pour l'électricité statique, mais j'y ai pensé. Alors c'est pas trop le cas là, sur ces tubes dédiés justement à l'électricité et au transport de l'électricité. Donc là normalement il n'y aura pas trop de problème de base, même l'été. Et en plus de toute façon, cette longueur de tube, elle est sectionnée en deux, elle est coupée en deux, et cette tige filetée là, de réglage de tension en plastique va couper encore plus si on a cet effet d'électricité statique. Donc normalement, il n'y aura pas de retour particulier ou quoi que ce soit dans le TX. Hein. En principe, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, si selon le matériel utilisé, si c'est un matériau qui accumule comme ça le statique, dans le pire des cas, sur la partie qui va maintenir le coin inférieur gauche et droit de la delta, on peut utiliser au lieu du bout de PVC, sur ce côté-là, on peut utiliser un petit tube ou une petite tige en bois ou quelque chose d'autre, quoi. Il y a tout un tas de possibilités, mais le système d'écarteur avec la tige filetée là et les deux bagues au milieu pour écarter, ça c'est valable de toute façon dans tous les cas. L'astuce finalement c'est principalement ça, quoi. C'est ce petit écarteur qui permet de se passer de fil, de tendeur, de grosses barres et tout, voilà. D'accord, ok. Petite question, est-ce que dans ces cas-là, pour éliminer l'électricité statique, est-ce qu'il serait possible d'incorporer sur la ligne coaxiale une parafoudre, celle qui se met, qui se branche à la terre, pour justement évacuer ces risques d'électricité statique? Je ne sais pas, c'est une idée que je lance comme ça, c'est ce que j'ai fait au QRA, puisque bon, la foudre par elle-même, on sait très bien que si ça doit passer, ça passera quand même. Mais bon, seulement déjà pour éliminer l'électricité statique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, eh ben, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Je vois de quel PL tu parles, là. Ça fait une entrée et une sortie, et au milieu, ils ont mis une petite cosse avec une vis, et sur laquelle on va ensuite raccorder ça à la terre. Oui, non, mais ça, c'est une bonne idée, voilà, pour éliminer le risque, pourquoi pas. Ça peut pas faire de mal, de toute façon, à mon avis, ça peut pas faire de mal, donc pourquoi pas. Ok, d'accord, oui, dedans c'est cartouche à gaz hein, qu'il y a dedans. Hein. Là qui au moindre choc électrique éclate. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est vrai que là je te lance l'idée parce que bon moi c'est ce que j'ai fait chez moi là au QRA. Et peut-être que sur ton installation justement là, ça peut être une idée pour éviter justement un risque en plein été de te retrouver avec la station QRT. Quoi. Ah oui, 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 là, je suis trop cool. Ça serait dommage là qu'en plein début d'expédition et tout ça, je me retrouve avec le matos en panne. Ouais, non mais je ferai gaffe, je vais bien y réfléchir effectivement. Mais à première vue, à première vue, normalement, il n'y a pas de risque particulier, quoi. Voilà, donc à réfléchir quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, ce genre d'accessoire ne fera pas de mal. Donc s'il est là, pourquoi pas l'utiliser? Ça, c'est sûr. Voilà, mais alors pourquoi la Delta Loop, là? Vu que la propagation revient, que je veux refaire des expéditions là pendant les beaux jours, j'ai hésité à ressortir soit le long fil, l'antenne fouche, ou alors la Scooby-Doo. Et puis je me suis dit, bon, c'est quand même chargé de QRM par moment, là, à proximité des villes. Et je me suis dit, bon, autant partir sur une antenne boucle fermée, quoi, quelle que soit la forme, parce qu'elles sont beaucoup moins
moins sensible au QRM. Et puis j'ai découvert cette marque-là, Big Signal, une marque espagnole, et leur Delta Loop, qui est vraiment pas cher en plus. Hein. Et j'ai dit, bon, ben voilà, ça sera l'antenne des expéditions. Ça, plus la boucle magnétique que j'avais fabriquée. L'une ou l'autre, voilà, je nagerai entre les deux, en fait. Et puis ça fera très bien le travail, hein, surtout si elle la propague. Oui, affirmatif. Là, je suis en train de regarder l'heure. Il est 7h moins 10 passé. Là où je suis arrivé, là, sur le pro, là, je suis stationné. Je vais être obligé là, de passer QRT. C'est bien dommage parce que là, c'est bien parti, là, dans les explications et tout. J'ai mon deuxième PC avec moi, là, derrière. C'est bon, je vais pouvoir m'occuper. Ouais, mon PC principal est sous Linux. Et mon logiciel de traitement vidéo, celui que je préfère, est sous Windows. Alors, tu vois le problème. Alors, je vais m'occuper de ça cette nuit. Je vais incorporer là justement là, tes deux plans là, dans la vidéo. Okay. De toute façon, je mettrai le lien du forum là où est justement ton sujet là avec là dedans. Et je m'occupe de ça. Allez, je passe QRT. Merci à toi. Profite bien de la propa qu'il y a là. Hier soir, c'est pareil. Hein, elle arrivait un peu en retard. Hier soir, j'ai lancé appel ici. Je regardais sur le 30 FM. Il n'y a rien qui passait. Pas de QSO hier soir. Il n'y a que vendredi soir où là, oui, on était tous ensemble. Et après, hier soir, quand j'ai basculé en BLU, ah ben, j'ai vite compris. Quoi. Là, tout le monde était en train de lancer des appels de ce côté-là. Ils ont bien eu raison. Et je vois que là, ce soir, toi, j'ai démarré 18h25. Et bien, c'est pile là que la propague est arrivée. 25, 30, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Et faut que je QRT les moins 5. Les 73, merci à toi. À plus et bon QSO. Ok, pour toi, pas de soucis, je te retiens pas plus longtemps, Hachi 3 coups. Merci pour le petit QSO, ça fait bien plaisir. Excellente soirée à toi, bon pro, et puis voilà, les bons chiffres, et à très bientôt, Dandy. Salut, salut. Ok, merci, 73. Let's go for 141.